Je t'entends super mal. J'ai des problèmes de connexion en fait. J'entends mal. Là, tu m'entends, toi? J'entends très bien. Bon, super. D'accord. Parfait. Bon, je crois qu'il nous reste juste quelques minutes. On est en direct. Pardon, toi? Problème de connexion en fait. C'est bon, là tu m'entends? On est en live là. Très bien. Parfait. Bon, super. D'accord. Parfait. Bah, je pense que Hicham a arrêté la musique. Mazel, encore deux minutes, Hicham, et tu arrêtes. Problème de connexion en fait. Thank you.
Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à cette rencontre, discussion de ce soir qui accompagne la projection cette semaine par notre association, l'Association des rencontres méditerranéennes cinéma et droits de l'homme, du dernier documentaire de Kamel Hachkar, « Dans tes yeux, je vois mon pays ». Alors, nous poursuivons aujourd'hui le format traditionnel de nos projections, un film, un débat. Ce rituel ne se passe pas malheureusement dans les circonstances actuelles dans nos belles salles de cinéma. Et comme la plupart des associations culturelles, des acteurs culturels, nous avons basculé en ligne. Et le public donc inscrit peut voir et revoir toute la semaine donc le film choisi. Et cette semaine, c'est donc le film, le documentaire de Kamel, que vous pouvez donc voir et revoir. Et c'est ça l'avantage de cette projection en ligne, c'est de pouvoir à la fois découvrir, mais aussi retrouver des passages de ce film. Donc, Kamel, nous te remercions bien chaleureusement d'être avec nous ce soir et d'être en direct de Tinrir, cette oasis dont tu es originaire et justement qui est au cœur de tes documentaires. Alors, cette rencontre, pour les côtés un petit peu pratiques, va durer une heure. Donc, nous serons ensemble une heure. Je vais rapidement présenter Kamel. Beaucoup de gens, bien sûr, le connaissent. Et le public averti le connaît, mais je vais prendre un petit peu de temps pour le présenter. Et je lui laisserai ensuite la parole pour présenter son dernier film, que vous avez donc dû voir hier et que vous pouvez voir donc toute la semaine, pour discuter autour de ce film, autour de ces films, du thème principal qu'il évoque, qui est celui, bien sûr, du rapport au passé, de la présence juive au Maroc, notamment de la présence judéo-amazigh dans les oasis qu'il connaît si bien, de cette présence, mais surtout aussi de cette coexistence judéo-musulmane et également de ces départs brutaux qui justement ont laissé place à la construction d'une mémoire qui se fait en ce moment avec des documentaires comme celui de Kamel. On évoquera aussi de manière plus générale des thèmes qui lui sont chers, je crois, qui sont ceux des migrations, des circulations autour de la Méditerranée, des identités plurielles. Je crois qu'il travaille sur un documentaire qui aura aussi ce thème comme centre. Et aussi sur la force des productions artistiques, la force de la musique pour penser les blessures, pour apaiser les mots, pour renouer les liens. Ça, je pense, c'est quelque chose qui est assez central dans l'œuvre de Kamel. Et nous finirons, et c'est pour ça que je vous appelle vraiment à rester avec nous tout au long de cette heure, avec une magnifique interview des deux personnages du dernier documentaire de Kamel, une magnifique chanteuse que vous avez découvert, Netal Kayem, et son compagnon Amit Hay Cohen, et ils nous ont envoyé un cadeau parce qu'ils ne pouvaient pas être avec nous ce soir, de leur impression de ce film, de leur expérience de ce film. Donc je vous appelle à rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour justement pouvoir les écouter et apprécier leur témoignage. Alors Kamel, en quelques mots, tu es donc un jeune réalisateur marocain, franco-marocain, maroco-français. Tu nous diras comment tu te présentes, ça a aussi son intérêt, que le public a découvert il y a maintenant presque 10 ans avec le très beau succès de ton premier documentaire de Tinrir à Jérusalem, qui est sorti donc en 2012, il y a déjà près de 8 ans. Et dans ce premier documentaire, on te découvre, puisque tu en es le personnage principal, on découvre que tu es donc natif de Tinrir, là où tu es ce soir, cette magnifique oasis donc, du sud du Maroc, que tu as rejoint tout petit ton père qui est ouvrier en France
et que donc tu as vécu tout jeune, avec beaucoup de sensibilité, cette expérience de la migration, de l'exil, des allers-retours entre un pays d'adoption et un pays où on est né. Et donc à Tinrir, tu découvres, parce que tu as la passion de l'histoire, du passé, tu découvres cette étrange présence-absence des Juifs de cette oasis. Et c'est de la passion pour cette découverte, cette présence-absence des Juifs de Tinrir, que naît ton premier film, qui nous a fait revivre avec beaucoup de bonheur. Moi, j'ai adoré ce premier film de Tinrir à Jérusalem. Cette histoire oubliée, cette histoire occultée des Juifs amazirs, de leur départ précipité, de leur destin en Israël, et du travail de mémoire qui se construit là-bas, ici, et que ton film, ton premier film rend si bien. Donc, entre de Tinrir à Jérusalem et aujourd'hui, se sont déroulées de nombreuses années, et tu as mis 7 ans pour justement produire ce second film qu'on a le plaisir de projeter cette semaine, et qui a un lien direct avec le premier. Donc ma première question pour entamer justement la discussion avec toi, c'est de nous retracer l'histoire de ce magnifique documentaire que tu nous offres aujourd'hui. Merci Rita de cette introduction. Tout d'abord, je voudrais remercier la RMCDH qui me donne l'opportunité de présenter de donner à voir mon dernier travail au public marocain. Je remercie tout particulièrement Fadwa Marouk, que je connais depuis 2012, qui avait beaucoup soutenu à l'époque Tinrir Jérusalem, et toute l'équipe évidemment de votre association. Et je remercie aussi parce que je suis effectivement, comme tu l'as très justement dit, je suis à Tinrir, je suis dans un magnifique lieu, la Ouriad Bab Todra, à Imzin, un des douars de Tinrir. Et voilà, je voulais remercier aussi les gens qui me donnent l'opportunité d'être avec vous aussi ce soir. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, après Tinrir Jérusalem, qui est sorti donc en 2012, j'ai rencontré ce formidable couple, Neta et Amit. Vraiment mon film est sorti en mars 2012. La première avait eu lieu à New York et à Montréal, ensuite à la télévision marocaine en avril 2012 sur 2M. Et Neta et Amit, je les ai rencontrés en juin 2012. Comment je les ai rencontrés? Je les ai rencontrés par les réseaux sociaux, où une personne avec qui j'étais ami avait présenté une de ses très belle chanson, une de ses premières chansons qu'elle a interprétées, dont elle avait fait un clip avec Amit, où elle chante Yaoumi, qui est un trésor de la musique judéo-algérienne. Et quand je l'ai découverte, quand j'ai découvert ce clip où Neta et Amit jouent ensemble et chantent ensemble, j'ai tout de suite voulu évidemment la rencontrer. J'allais partir quelques jours après, ça c'est aussi un signe du destin, quelques jours après à Jérusalem, à Al-Quds, et dans un commentaire, j'ai écrit, je veux absolument rencontrer cette jeune artiste, elle est magnifique, elle a une voix incroyable, et quelqu'un me dit, mais figure-toi que son père est de Tinrir. Et donc là, évidemment, mon cœur n'a fait qu'un tour, et j'ai tout de suite réussi à la rencontrer. Ça ne s'est pas fait de manière facile au départ, parce qu'au départ, moi, je savais quand j'avais fini Tinrir Jérusalem que je n'avais pas fini avec cette thématique, de continuer à explorer cette thématique judo-marocaine. J'avais même l'idée de faire une suite vraiment de Tinrir Jérusalem, c'est-à-dire d'accompagner mes premiers personnages, les anciens, dont beaucoup sont morts, paix à leur âme, au Maroc. Et finalement, cette rencontre décisive avec Neta Amit a fait que j'ai changé complètement de direction, et donc on a appris à se connaître. Je suis resté 3 mois là-bas, tout cet été 2012, et c'est vraiment à partir de 2015 qu'on a commencé à tourner des petites séquences ici et là. Et le film s'est construit dans la relation que nous avons commencé à établir avec Neta et Amit. J'ai rencontré ses parents, je suis allé à Netivot. Et il y a toujours, souvent ce que je dis, il y a toujours le film qu'on imagine, le film qu'on écrit,
le film qui se déroule au moment où on tourne, et après l'écriture finale du film, elle se fait beaucoup au montage finalement. Et donc voilà, très vite cette connexion, le fait que son père soit de Tinrir, les parents de Hamid, il est moitié tunisien et moitié marocain, et de Tizgi notamment du côté de Tel Wet, dans le fin fond, pas loin de Ait Ben Haddou, pas loin de Tel Wet finalement. Et donc très vite, j'ai eu un désir fou de vouloir raconter leur histoire, parce que c'est aussi un peu ce que tu disais tout à l'heure. Nos films, en général, c'est un peu aussi la prolongation de nos questionnements, j'ai vu, et c'est ce que vous écouterez tout à l'heure, le très beau témoignage de Neta et Hamid, c'était un peu un miroir, en fait. Ce couple m'intéressait profondément, un, de par leur talent, évidemment, de par ce que ça pouvait réveiller. Autant Tinrir Jérusalem était un film sur le passé, ce film-là, Dans tes yeux, je vois mon pays, est un film sur le présent et sur le futur. Comment on peut reconnecter des liens par ce territoire de l'art, de la musique, où justement toutes les frontières s'abolissent parce que ça parle d'émotion, ça parle de la sens, ça parle du cœur, de la sensibilité. Et d'ailleurs, le concert qu'on avait filmé aussi avec Neta à Essaouira, au très célèbre Festival des Andalousies Atlantiques que André Azoulay a créé avec d'autres, j'ai vu les réactions du public, qui étaient assez incroyables, de voir ces jeunes Israéliens d'origine marocaine qui se reconnectent par la langue, par la musique, à leur marocanité finalement. Et mon film, au-delà de parler de la codistance entre les juifs et les musulmans, évoque aussi, comme tu disais tout à l'heure, aussi, enfin, des thématiques beaucoup plus universelles sur la mémoire, sur le passé, sur le présent, sur le futur, sur l'exil, sur l'attachement aux racines. Moi, je suis très attaché à ma ville natale, qui est Tinrir. J'y reviens assez régulièrement. Pourtant, j'ai grandi en France. À la campagne française, j'ai eu une enfance typiquement très, très à la Marcel Pagnol, avec le curé de l'église. J'étais, toute mon inspiration artistique vient de ma ville, parce que je suis né aussi dans une maison en terre. Je me suis réapproprié aussi ma mémoire marocaine, mon identité marocaine, à travers l'absence de cet autre, de ce juif aussi absent, que ce soit avec Tinrir Jérusalem. Et je continue, ça parle finalement d'identité pluriel dans un contexte où aujourd'hui il y a beaucoup de repli communautaire, beaucoup de racisme, où le monde n'est pas très beau. Et moi, j'aime m'attacher, en tout cas dans mon travail, au beau au sens philosophique du terme, à des gens qui essayent vraiment de créer des liens. Et je crois que Neta Hamid, c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est ce que j'essaye aussi de faire modestement, de rappeler ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous pouvons être aussi dans le futur. Merci beaucoup, Kamel. Est-ce que justement, pour agrémenter ce que tu viens de dire, tu peux nous expliquer ce qu'il y a derrière le titre du documentaire, ce titre très poétique, Dans tes yeux, je vois mon pays. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce titre, figurez-vous, beaucoup de gens le savent, mais au départ, mon projet s'appelait Retour au pays natal. Il y avait une espèce un rappel d'Aimé Césaire aussi, évidemment. Et avec ma monteuse, on l'a vraiment, vraiment trouvé à la toute fin. Neta chante une très, très belle chanson. Et je me souviens encore, Neta me dit, voilà, j'ai écrit une chanson pour ma grand-mère où elle chante « Bainik Kenchouf Bledi »« Dans tes yeux, je vois mon pays ». Et on le voit d'ailleurs dans le film. Et donc, on a filmé cette très belle séquence à Tinrir où elle chante cette chanson, où ils font une espèce de clip peut-être pour une éventuelle future chanson où ils mettent en scène le départ, l'arrachement à la terre. Et donc on l'a filmé dans deux situations, cette chanson. Donc, et Yael Bitton, mon extraordinaire monteuse qui a travaillé avec moi aussi sur Tinrir Jérusalem, m'a dit, mais ce retour au pays natal, c'est trop littéral.
Et finalement, elle avait raison. Donc, on est retourné dans nos rushs, dans nos images, et on a trouvé cette et on a trouvé ce très beau titre qui finalement résume assez bien aussi la relation qui s'est établie d'emblée entre moi, le réalisateur, mais aussi l'ami, et Netta et Amit, et ce couple d'artistes. Quand j'ai vu Netta chanter la première fois, que ce soit Yaoumi à travers les réseaux sociaux, mais ensuite, après sur scène, dans les concerts, je suis beaucoup allé la voir, on l'a beaucoup filmé aussi en concert, je voyais le Maroc à travers leurs yeux et vice-versa. Ils ont vu aussi dans mes interrogations, dans mes questionnements, dans ce que j'avais envie de faire accoucher aussi d'eux, ils ont vu aussi le Maroc à travers mes yeux. Je leur apportais d'une certaine manière aussi le Maroc à Jérusalem, même si eux ont vraiment recréé chez eux un espace. On a vraiment le sentiment chez les parents de Netta ou chez les parents de Amit aussi, ils ont recréé un espèce de territoire intime, affectif, qui crée avec leur musique, avec leur manière de créer leur art, cette intimité, cette beauté. Donc, ils ont vu aussi le Maroc et, à travers mes yeux, quand je les ai aussi emmenés au Maroc, à Essaouira, en concert, enfin voilà, dans ce long road movie aussi avec toute mon équipe. Donc, ça résume vraiment bien la relation qui a pu s'établir entre nous trois. Oui, alors juste peut-être une autre question avant de donner la parole au public, parce que le public a posé donc des questions et Fedwa va nous les transmettre. Moi, je trouvais très intéressant la question tout de même, parce que ce film est également un film sur la construction mémorielle, sur la quête des origines, etc. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la question des générations, puisque Netta et Amit, en fait, ce sont leurs parents ou leurs grands-parents qui sont partis en Israël, et eux renouent aujourd'hui, en 2019, dans un contexte particulier au Maroc, justement, où on porte un regard différent hein, sur ce passé juif, sur cette identité justement multiple et plurielle. Donc, ton documentaire vient vraiment comme quelque chose qui réveille les mémoires, qui confirme cet aspect très positif, justement, d'un regard peut-être plus positif posé sur ce passé. Est-ce que tu penses que tu es arrivé vraiment au bon moment, ou est-ce que c'est tes documentaires qui révèlent et qui entraînent ce réveil de mémoire, comme beaucoup de documentaires l'ont fait sur d'autres périodes historiques? Oui, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si j'ai... En tout cas, moi, quand... Vous savez, Tinere de Jérusalem, l'idée était là depuis déjà 2006-2005. Si je veux être précis, 2007-2008, je commence vraiment à travailler le projet. Le film sort en 2012. C'est vrai que c'était plutôt assez confidentiel à l'époque. Il y avait aussi une forme de tabou de parler de ces questions-là. Moi, je vivais en France, je ne maîtrisais pas du tout le contexte. C'est pour ça que quand il y a eu toute cette polémique à l'époque, à la sortie de mon film, par les islamistes et les panarabistes accusant le film de normaliser, etc., etc. Moi, je n'avais pas du tout conscience de tout ça. Et d'ailleurs, heureusement que je n'avais pas du tout conscience de tout ça. Peut-être que j'aurais eu... Enfin, je ne suis pas quelqu'un qui a peur en général, mais j'aurais été peut-être un peu plus... Enfin, je ne sais pas. Mais moi, voilà, ce film-là, je l'ai fait avec une telle sincérité. J'avais besoin d'imprimer... Je voyais bien qu'il y avait une amnésie, qu'il y avait quelque chose qui ne se transmettait pas. Et je suis aussi un ancien prof d'histoire, comme toi, Rita. Enfin, toi, tu enseignes l'histoire. Et pour moi, il y avait quelque chose que j'avais envie de réparer. En hébreu, il y a un mot qu'on appelle le tikkun, qui est la réparation. Et pour moi, c'était quelque chose qui était essentiel de réparer cette histoire brisée, cette brisure. C'est Edmond Amran El-Maleh, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui en parlait merveilleusement bien dans son livre qui m'a beaucoup nourri, « Mille ans et un jour », où il raconte justement cette brisure, où il raconte cette séparation de ces juifs et de ces musulmans.
Et pour moi, il y avait, voilà, il y avait quelque chose où j'avais envie de donner une dignité, une valeur à ces petites gens, à ces juifs et ces musulmans qui n'ont pas fait de hautes études, mais qui vous parlent d'exil, de maison vide, d'attachement à la terre, avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de métaphores. Moi, j'ai pas d'agenda politique, j'ai suivi mon cœur, mon âme, mon corps dans ce désir. C'est quelque chose de faire des films, c'est pas quelque chose de facile, mais voilà, c'est des thématiques qui me touchaient. Moi, à l'époque, quand on m'accusait de vouloir normaliser, moi je normalise avec les miens, avec les nôtres, qui n'ont pas oublié leur langue, qui n'ont pas oublié leur pays, qui n'ont pas oublié leurs voisins, qui n'ont pas oublié leur terre. Et pour moi, ça, c'était quelque chose d'important et de fondamental, parce que moi aussi, en tant qu'enfant d'immigré, je suis profondément attaché à mon Maroc pluriel et que je crois dans la diversité culturelle, que je crois dans le cosmopolitisme, que je crois dans la richesse culturelle. Nos deux filles, enfin, Neta et Amit, mon film, c'est une réflexion aussi sur cet entre-deux identitaire. Ils sont israéliens, mais ils sont aussi marocains. Je suis français et je suis aussi marocain, amazigh, du fin fond du Maroc, etc., etc. Et pour moi, c'était important de mettre en valeur cette histoire-là, comme l'a très bien fait notre Constitution depuis 2011, de réparer. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir inscrire dans notre récit national toutes les parts identitaires de notre Maroc, de Tanger à la Gouira, ce soit de la culture sahraoui, la culture rifaine, la culture, enfin, même dans la berbérité, dans la marzérité, il y a une pluralité des langues, des cultures, des chants, des poèmes. Pareil, dans les Marocains juifs, le juif marocain de Fès, ou de Tinril, ou de Casa, ou de Tanger, il y a une pluralité, et c'est ça qui fait la beauté de ce pays. Aujourd'hui, je parle de réparation. Je suis très content qu'on puisse recréer ces liens forts avec tous les Marocains, où qu'ils vivent, où qu'ils soient, à Montréal, à New York, musulmans, juifs, athées, agnostiques, etc., etc. Et c'est ça, pour moi, en tout cas, c'était ça aussi mon désir que j'ai envie de transmettre aux jeunes générations. C'est notre meilleur médicament contre les discours obscurantistes et d'amnésie. Tout à fait. Alors, en fait, juste pour finir, et on passera la parole au public, parce que je pense qu'il y a des questions qui vont être vraiment pertinentes. En fait, tes films, Kamel, sont projetés partout dans le monde. Hein. C'est vrai que tu es présent dans beaucoup de festivals et qu'ils sont justement diffusés, appréciés. Est-ce que tu penses vraiment que cet espace méditerranéen dans lequel circulent justement tes personnages et toi-même, c'est-à-dire de Jérusalem à Gibraltar, d'Essaouira à Tinrir, c'est un espace un peu laboratoire, malgré le fait qu'il soit chaudron, de ces identités, des conflits, et qu'on a quelque chose à dire au monde quand on vient de cet espace méditerranéen? Je pense que les médias n'insistent pas suffisamment justement sur le beau, comme j'en parlais tout à l'heure, au sens philosophique du terme. Ils insistent plutôt sur la montée du racisme, sur la montée des nationalismes, de part et d'autre, hein, en Amérique, en Europe, en Israël, en Palestine, au Maroc, avec tous ces... Voilà, il y a des replis communautaires qui sont assez dangereux, et qu'il est important, et que moi j'ai utilisé l'arme de la caméra, l'arme de l'image, pour mettre en valeur justement ces personnes et ces femmes et ces hommes qui, c'est très beau dans le film ce qu'on voit, ce qui se passe, ces rencontres parfois spontanées, parfois préparées, avec Fanny Mergui, qui est une Marocaine juive qui a quitté le Maroc mais qui a décidé de se réinstaller définitivement dans son pays, à Casablanca, là où elle est née, de ces musiciens, de ces jeunes musiciens qu'on voit à Tisgi, avec qui Amit, on a l'impression que ce sont des frères et sœurs, et de part et d'autre, c'est ça qui est, en fait, j'ai vraiment construit mes personnages comme des corps politiques en puissance qui défient un petit peu tous ces trucs qu'on veut nous mettre dans des cases, toutes ces appartenances où vous êtes que ça, mais que, voilà, on est multiple, et c'est ça qui est beau. Et ces jeunes de Tisgi ont très très bien accueilli Amit, qui s'est
installé pendant des semaines à Tisgi. Il a vraiment, c'était l'enfant du pays qui revenait avec les fils du Détroit à Tanger, avec Abir El Abed, avec les musiciens Essaouira, etc. Enfin, toutes ces rangs, avec mon père aussi, parce que c'est, voilà, il y avait cette idée de montrer la différence, en fait. Moi, ce qui m'a, l'empathie que j'ai eue avec mes personnages, c'est que, avec Neta et Amit, c'était que la chance que moi j'ai eue, c'est que moi j'ai toujours une maison à Tinrear. C'est que eux ont été coupés de leur lieu d'origine, du fait de cet exil dans les années 50-60, parce que Edmond Amran El-Maleh en parlait très bien, de cette brisure, de cette séparation, et que Neta et Amit, à travers leur musique, essayent de réparer, essayent de faire ce qu'on appelle en hébreu le tipoun, de réparer et de donner une voix à des personnes qui ont souffert aussi de cet arrachement à la terre. Et donc pour moi, c'était important de qu'il y a cette circulation, et même à Gibraltar, effectivement, avec ses rencontres avec ses autres musiciens, finalement on se rend compte, et c'est ce que dit Hamid Bouchnak, qui dit heureusement qu'il y a la musique, sinon il n'y aurait que des guerres, parce que la musique abolit vraiment les frontières entre les individus. Merci beaucoup, Kamel. Alors, Fadoua, est-ce que il y a des questions justement de la part du public après la projection du film de Kamel que l'on pourrait lui poser maintenant en direct? Oui, Kamel, on a commencé à recevoir des questions depuis hier. Donc, on a pour le moment 4 questions. 2 questions de Mohamed Al-Alaoui. Il les a posées en arabe. Je vais essayer de traduire. Donc, comment contribue la musique chkouri à travers la 3e génération des jeunes juifs marocains à construire des ponts de dialogue et de tolérance culturelle et religieuse? En d'autres termes, comment peut-on mettre à contribution cette musique qui est un pilier de la question de la tolérance et de l'amour comme une composante principale du vivre ensemble? Comment, je n'ai pas entendu la fin, excuse-moi. Comment on peut mettre à contribution la musique chkouri à travers la génération, la 3e génération des jeunes juifs marocains, pour qu'elle soit une composante principale du vivre ensemble? Oui, je ne suis pas un spécialiste de la musique en général, mais en tout cas, je pense que c'est important que l'école joue aussi son rôle de transmission, à la fois dans l'éducation à l'image que vous faites, vous, votre association, qui est un but formidable, mais que la musique aussi peut être un vecteur de transmission à l'école, d'apprendre ces musiques aux jeunes, parce que la musique, Erita sera d'accord avec moi, véhicule aussi tout un imaginaire d'une nation, d'un pays, d'un vivre ensemble, comme tu l'as très bien dit, toi. Et oui, il faudrait qu'il y ait plus de conservatoires de musique, plus de salles de cinéma, pour qu'on puisse se réapproprier toutes nos musiques, que ce soit du Ahidouz, de l'Ahouaj. Voilà, il y a des gens qui font un travail formidable là-dessus, et c'est tellement beau, finalement, de partager ensemble ces musiques-là en commun. Alors, la deuxième question aussi de Mohamed Alaoui, est-ce qu'on peut considérer votre film « Dans tes yeux, je vois mon pays » comme un appel pour que les jeunes Marocains juifs reviennent au Maroc? Ce serait mon rêve. Moi, je rêve de diversité, je rêve de... Oui, je rêve, et d'ailleurs, ce qui est incroyable, quand Sa Majesté le Roi a annoncé la normalisation avec Israël, j'ai reçu beaucoup de messages de jeunes Marocains juifs qui vivent à Montréal ou aux États-Unis ou en France, et qui se disent, voilà, j'ai envie d'avoir une expérience de vie au Maroc, j'ai envie d'expérimenter la terre natale de mes parents ou de mes grands-parents. Moi, je leur dis évidemment, Baruch Haba en hébreu, Marhaba Bikoum, Adal Blatkoum. Donc, au contraire, on est plus fort dans la pluralité. Moi, je rêve évidemment d'un retour de Marocains juifs au Maroc. Alors, la troisième question de Omar Jaini. Donc, c'est un jeune réalisateur qui pose la question sur votre formation, les difficultés que vous avez rencontrées pour commencer à faire du cinéma, notamment ce qu'il appelle l'inspiration, c'est-à-dire le regard créatif. Quels conseils donnez-vous aux jeunes réalisateurs, surtout en termes de recherche de financement,
et de distribution du film? Il faut en fait avoir... Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est le désir rend possible l'impossible. Je n'ai pas fait d'école de cinéma, je suis un fils d'ouvrier, ma mère n'a pas eu la chance d'être allée à l'école, donc je suis le premier de la famille à être allé à l'université, à avoir eu le bac, etc. Donc voilà, j'avais juste envie de croire en mes rêves. Et voilà, je pense que le maître mot, c'est le désir. Après, évidemment, on ne part pas tous avec les mêmes chances. C'est pour ça que je suis très sensible aussi à ce qu'on permette, à ce que la culture soit accessible à tous, et notamment au milieu populaire, au Maroc profond, au Tchad. Et que, voilà, donc c'est un travail qui a, même moi, qui n'a pas été de tout repos avec des hauts et des bas, parce que ce n'est pas facile de faire des films, parce qu'on y met ses tripes, parce qu'on y met beaucoup de soi, parce qu'on se découvre, on se délivre, enfin voilà, on apparaît aussi presque un peu à nu. Et donc, les conseils, c'est vraiment d'avoir le désir chevillé au corps. Parfait. Moi, c'est le maître mot. Une autre question de Adil, il dit, célébrer des personnages qui veulent renouer avec leur identité et aller vers l'autre, c'est magnifique, mais on ne parle jamais de leur rapport avec les Palestiniens, tout le mal qu'ils ont commis à l'encontre de ce peuple, il y a une aperçu dans ce film. Et c'est contradictoire, non? C'était tel que formulé. Oui. Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est amis, qu'il n'y a pas besoin d'être dans la démonstration, dans quelque chose de didactique. Ils maîtrisent Darija, ils ont fait l'effort et ils ont appris l'arabe palestinien. Et si les gens veulent les suivre sur leur page, ils ont déjà collaboré avec des artistes palestiniens. D'ailleurs, ils ont fait un très beau concert à Jérusalem, d'ailleurs, auquel j'ai assisté, mais aussi à Essaouira, où Neta et Amit ont partagé l'affiche avec un très beau groupe palestinien. Ils ont beaucoup d'amis palestiniens qui le reçoivent chez eux. Ils vont aussi, ben voilà, donc il n'y a pas de, je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir. Moi, j'avais pas envie de polluer les films. J'ai pas envie de, c'est un autre film, c'est encore quelque chose. Il y a sans doute de très beaux films, il y a de très beaux films à faire aussi sur l'exil palestinien, sur la jeune génération palestinienne qui chante, que ce soit dans le rap ou dans autre chose. En tout cas, je sais que Neta et Amit ont fait de très bons concerts avec des artistes palestiniens. Et d'ailleurs, Amit le dit très bien, que le fait de parler en arabe, c'est aussi une manière, c'est presque un acte d'opposition aussi au pays dans lequel ils sont nés, parce que ce n'est pas évident, parce qu'il y a une situation politique qui est difficile, qui est compliquée. Mais moi, j'avais plutôt envie d'insister, voilà, sur cette personne-là qui crée du lien plutôt qu'il se sépare par d'autres choses. Une autre question de Abbas Misfer. Quelle image ont les jeunes Israéliens qui ont des racines marocaines ont-ils du Maroc? Ben, c'est une très bonne question. Ils ont souvent, pour ceux qui n'y sont pas allés, peut-être une image un peu fantasmée, folklorique. Mais ceux qui... Après, il y a différents types de jeunes Marocains juifs. Qui, voilà, Neta et Amit, il y a quelque chose d'extrêmement deep, profond dans leur quête, dans leur recherche, à la fois dans la maîtrise aussi de la Darija, cette manière de se reconnecter par notre patrimoine de la musique judéo-marocaine, mais pas seulement. Je sais que Neta aimerait, par exemple, un jour chanter peut-être en tamazight, pourquoi pas, puisque son père et sa grand-mère, fait à son âme, est né à Tinrir. Donc, il y a vraiment une multiplicité de rapports. Certains ont des... Mais comme un Marocain musulman qui vit en France, moi, je vois d'autres compatriotes, on a les mêmes, pas forcément les mêmes parcours, mais enfants d'immigrés qui ont un rapport différent avec le Maroc. Et moi, j'ai un autre rapport avec le Maroc. Il y a quelque chose de singulier, en fait, ça dépend des personnes. Parfait. Ben, Abbas Msefer, il a laissé un joli message. Votre film est un baume pour nos âmes. Une autre question de Karim.
comment le conflit palestino-israélien est-il vécu? Est-ce que c'est vrai ce qu'on voit dans les médias de masse comme violence et guerre? Comment la musique pourrait aider à pacifier la région? C'est une question qui mériterait un développement d'heures et d'heures et d'heures. Des gens font des sommets internationaux pour régler ce conflit 50 ans, 60 ans. Bon, encore une fois, moi, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas un homme politique. Je sais qu'il y a, malheureusement des extrémistes de part et d'autre qui attisent le feu. Je sais aussi qu'il y a des bonnes volontés de part et d'autre qui essayent de créer des liens. Et voilà, et moi j'ai plutôt envie de faire le focus sur ces personnes voilà, qui créent vraiment des liens. Et d'ailleurs, moi j'appartenais à une association à Paris qui s'appelait Parler en paix. On apprenait l'arabe et l'hébreu ensemble parce que c'était deux langues sœurs qui sont toutes deux issues de l'araméen. Et le premier voyage en Israël et dans les territoires palestiniens, c'était des voyages où on allait rencontrer des acteurs de la société civile qui œuvraient au rapprochement, c'est-à-dire des Palestiniens et aussi des Palestiniens israéliens, c'est-à-dire les descendants des réfugiés de 1948, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 20% de la population israélienne qui sont arabes, chrétiens et musulmans. Donc, là, c'est très complexe, ce n'est pas noir et blanc. Évidemment qu'il y a une dissymétrie, il y a une occupation contre laquelle moi je me suis toujours battu. Moi, je suis pour la dignité, pour l'égalité des gens. Moi, je veux juste que les gens vivent en paix, que ce soit les Israéliens et les Palestiniens. Bon, il y a un autre commentaire de Bassem Sfeul qui pose la question. Là, je fais appel aux deux historiens, Rita et Kamel. Tinril semble être une ville où il y a une tolérance incroyable. Où peut-on se renseigner sur cette époque? Ou quoi? J'ai pas entendu la fin. Où peut-on se renseigner sur cette époque, l'époque où ont vécu les Juifs à Tinril, enfin, avant... C'est vrai que quand j'ai fait Tinril à Jérusalem, il y a très, très peu de documentation parce que là où j'ai puisé l'essentiel, c'est la transmission orale chez les anciens. Mon grand-père, le père de mon père aussi, bien avant, quand j'ai découvert la présence juive au Maroc, d'ailleurs, j'avais 20 ans, je ne savais pas du tout, je ne connaissais absolument pas cette histoire-là. De rester, moi j'adorais, quand je passais 2 mois d'été à Tinrir, avec ma grand-mère, j'ai eu la chance d'avoir connu mes arrière-grands-parents, qui me racontent l'histoire du Maroc, ils me racontaient Siba, les guerres tribales entre les différentes tribus amazigh, ils me racontaient le protectorat, la colonisation. Ils m'ont raconté la période de l'Istiqlal, de Mohamed Khamis, etc., etc. Donc, c'est vraiment auprès des anciens que j'ai beaucoup appris. Après, évidemment, il faut aller chercher dans les livres auprès des spécialistes pour compléter, parce que parfois, il y a aussi une dissonance entre la mémoire, ce que les gens ont vécu et comment l'histoire elle est aussi racontée par les historiens. Rita, tu pourrais nous orienter aussi par rapport aux références qu'on peut... Là, c'est difficile. Hein. Je crois que Kamel a bien répondu. C'est quand même un aspect de l'histoire qui n'a pas été beaucoup balayé pour des raisons d'absence de sources, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sources effectivement écrites, ou alors elles sont éparses, éparpillées, et parce que le recueil de la tradition orale, c'est pas fait de manière systématique. C'est vrai que Kamel parle de son expérience personnelle avec ses parents et ses grands-parents, mais on n'a pas de recueil systématique. Donc, ça reste un petit peu un point aveugle hein, de la recherche historique. Mais je pense que justement, avec des documentaires et la question de monsieur est très intéressante parce que avec des documentaires comme celui de Kamel, on réveille cette mémoire. Et on réveille aussi l'intérêt historique pour ces questions. Ça va de pair. Donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, on est arrivé à une période où les recherches historiques vont être menées de manière beaucoup plus, encadrée, académique. À Souera, il y a eu quand même un endroit fabuleux qui a été inauguré il y a peu de temps qui s'appelle Beit Dakira et dans lequel justement on rassemble des sources
On fait un travail pour proposer des espaces pour les chercheurs qui travaillent sur la judaïté marocaine. Donc, je pense que voilà, ça va démarrer. Mais jusque-là, on avait des grandes synthèses ou des choses très précises, mais pas de monographie que je sache, Kamel, sur Tinrir ou sur les oasis, parce que peu de sources et pas de recherche systématique. Ce n'était pas un thème, justement, facile à traiter, d'une part, et encouragé académiquement. Je ne sais pas ce qu'en pense Kamel. Oui, moi, la première fois, d'ailleurs, avant de vouloir faire Tinrir à Jérusalem, je voulais plutôt faire un travail de un troisième cycle, une communauté juive berbère à Tinrir. Je suis allé aux archives diplomatiques de Nantes, où sont entreposées, les archives des affaires indigènes. Et on m'avait préparé toute une chemise sur Tinrir, évidemment, puisque c'était ma ville qui m'intéressait. Et là, j'ai découvert, parce que les Français consignaient, ils ont cette culture de l'écriture, consignaient tout sur les différentes. C'était passionnant d'ailleurs, je me noyais, enfin, je plongeais complètement dans ces histoires incroyables de relations entre les différentes tribus amazighes. Avec les, moi je suis de la tribu d'être courte, mais aussi j'ai vu des noms de familles juives. Je suis allé aussi après, donc ça c'était à Nantes, je suis allé aussi aux archives de l'école des alliances universelles, parce qu'il y a une école qui a été ouverte en 1950. Il y a ce très beau livre de Elias Arus, Juif parmi les Berbères, qu'on voit d'ailleurs dans Tinrir à Jérusalem, et c'est là où j'ai vu pour la première fois des photographies de Juifs de Tinrir pris dans les années 50. Après, il y a eu quelques articles de Daniel Schroeter, des Juifs berbères, des questions historiographiques. Donc, évidemment, il y a très peu de sources, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et je suis très content, effectivement, que Tinrir à Jérusalem soit devenu d'ailleurs un objet d'étude en anthropologie, surtout, tu vois, les États-Unis, à Columbia, une université assez incroyable, et où. Beaucoup de gens se sont intéressés, m'ont posé beaucoup de questions et du coup, les jeunes ont demandé à leurs parents, à leurs grands-parents, mais si on avait des juifs, c'est raconte-nous. Et donc, c'est bien que ça réveille la curiosité des gens. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On peut passer à la dernière séquence aux questions, au message de Neta et Amit. Et après, on revient. Bien sûr. Après, oui, tout à fait. السلام عليكم انا نتا الكمامكم انا عميد حيكون بغينا نهضروا على كمال اشكار المخرج لقاء مع كمال اشكار كان مزيان بزاف حسنا بحال الافراد ديال نفس الفاميليا اللي تلاقاو مورا سنوات وداك الشيء كان تبع هو من تنغير الفاميليا ديالي من تنغير Je pense que Kamal a fait le film Alina Walakin et il a fait le film de Alina Walakin. Il a fait le film de Alina Walakin. Nous avons les artistes qui sont dans le film, mais tout le monde a un point de vue pour Kamal Ashkar. Et ça m'a dit que nous avons fait le film de Kamal. Akid. اش عطاني هذا الفيلم الفيلم عطاني الفرصه باش نشوف نشوف راسي لكن بعيون الواحد الاخر ايه وانا عطاني الفيلم بزاف ديال لحظات اللي عمرني ما ننساهم بحال دابا اللقاء الاول ديالي مع الجمهور المغربي عمرني ما ننسى هذه اللحظه في المهرجان ديال الصويره واللقاء ديالي مع حنين شمويان ديما يكونوا هادو ذكريات حياتي بالنسبة لي كل عمل فني هو سياسي يعني ما يمكنش تفرق بين الأغنية والفيلم للجمهور اللي تشوفوه يعني زعما كل حاجة اللي تتعمل عندها القوة باش تغير الناس وكل حاجة هو اللي تتعمل هو سياسي بكونتكست العلاقات بين الناس السياسة الرسمية اليوم تركز غير على الاختلاف بيناتنا وهذه الفايدة ديال الفن و جو بونس عن طريق الفيلم ديال كمال الناس يفرجوا المشترك بيناتنا وماشي غير الاختلاف السلام عليكم انا نتا الكيا معكم انا عميد حيكون بغينا نهضروا على الكمال اشكال
Allô? Je crois Kamel, que si tu veux réagir justement à ce qui a été dit. Mais on est en direct là ou pas? Je pense. Oui, on est toujours en direct. Ah, très bien. Ouais, ouais. Non, mais voilà, je suis très touchée par le message de d'Amit et Meta, et parce que ce que ça raconte aussi, c'est que c'est pas seulement, c'était pas juste un film, c'était aussi une tranche de nos vies. Nathan et Amit, je les ai connus, ils n'étaient pas, enfin, ils n'avaient pas d'enfant, ils ont eu un enfant, enfin, on se connaît depuis déjà presque 10 ans maintenant, et voilà, c'était une tranche de vie, une expérience où pendant 7 ans, j'ai 7-8 ans, j'ai dormi, je me suis levé, je me suis réveillé avec ce désir de raconter leur histoire, leur quête, et ma quête aussi en même temps d'une certaine manière, et que je les remercie aussi profondément. Parce que c'était aussi un très beau cadeau, et leur confiance de pouvoir les approcher d'aussi près dans leur intimité. Voilà, j'ai pas fait un film sur les centrales nucléaires, ou ça peut être intéressant d'ailleurs, je sais pas, mais moi ça m'intéresse pas. Mais voilà, j'ai fait un film d'abord sur deux êtres, deux artistes sensibles, avec aussi des questions, des contradictions, avec une profondeur, et c'était ça aussi qui était pour moi difficile parfois, mais qui était beau. C'était j'ai pas fait un film pour faire un film, j'ai vraiment, et encore une fois, c'est moi, je suis quelqu'un qui, dans mes projets, en tout cas dans mon travail, quand ce sont les films que j'ai décidé de faire, je suis là en plus, j'étais à la fois réalisateur, mais producteur, j'avais une équipe formidable, Philippe Laïch, mon chef directeur de la photographie, qui m'accompagne depuis Ténéraire Jérusalem, Yael Bitton, la monteuse aussi de Ténéraire Jérusalem, Nadia Ben Rachid, Yassine, Seloua, Fatima, voilà, c'était une expérience de vie. On a expérimenté dans nos vies intimes, dans nos vies profondes aussi, la pluralité, le dialogue, la multiplicité des points de vue, et dans le respect, dans la bienveillance. C'était ça qui était, parce que c'est tellement difficile de faire des films qui sortent de vos tripes. Voilà, donc pour moi, je suis très touché par leur message, et leur souhaite vraiment une très très longue carrière. Ils le méritent amplement. Merci, Nathan. Oui, c'est vrai que c'est des personnages magnifiques, et votre rencontre est très émouvante, et elle accompagne tout le film, et c'est vrai qu'on te sent derrière chaque moment, et c'est très très émouvant à voir. En tout cas, moi, j'ai été très sensible à votre trio, en fait, hein, dans le film. Alors, Kamel, peut-être pour finir notre conversation, est-ce que tu peux nous parler de tes projets, des films que tu es en train de préparer, de ce qui t'intéresse en ce moment? Déjà, je m'occupe beaucoup de la... Pour l'instant, c'est moi qui distribue mon film, donc je crois. Mon pays, donc je suis réalisateur et producteur. Il est ce mois-ci un premier festival en Suisse, Norion Festival, qui est un festival de musique et cinéma à Berne et à Lausanne. Il vient d'apprendre récemment qu'il était sélectionné à Seattle en mars, et à Oslo très bientôt, et bientôt aussi à Miami. Enfin voilà, il y a beaucoup de travail autour de promouvoir, de faire connaître film, évidemment. Et je suis assez laborieux, je mets du temps à entre Ténéraire et Jérusalem, et dans ces yeux, j'ai fait quand même 3 films. J'ai fait, voilà, des films de commande. J'ai fait un film qui s'appelle Tassano Terreno sur l'amour, une production alien et 2M,
l'amour à travers les voix des femmes à mesure, notamment de la poétesse Marie Riza, Mehadia Waki, Fatima Afif, la comédienne, comment on raconte l'amour dans une société conservatrice à travers nos chants à mesure. J'ai fait deux petits courts-métrages aussi à l'époque, donc voilà, je n'avais pas non plus comment. Là, je suis dans l'écriture, je prépare deux projets un petit peu en parallèle. Je rêve de créer un festival des cultures plurielles à Timrière pour mettre en valeur. Je rêverais qu'un jour, l'État et Amit viennent produire ici, à Timrière, avec une projection de dans tes yeux, je vois mon pays pour tous les habitants et les gens de l'extérieur, évidemment, les bienvenus. Et mettre en valeur, parce qu'il y a Mbak Haouzi aussi, enfin, il y a de la musique Inawa qu'on voit dans le film, c'est un artiste de Timrière que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de talent dans cette ville et j'aimerais aussi qu'on puisse les mettre en valeur et qu'on leur donne un peu de lumière parce que nous sommes aussi loin de la capitale, loin des grands centres de décision. Voilà, ça c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et un autre projet, j'essaie d'écrire en tout cas un projet de fiction, un court-métrage de fiction qui serait un opéra à Mazir sous la forme d'une tragédie en trois actes mélangeant les différents Amazirs de notre Maroc autour des croyances à Mazir, notamment autour du dieu, de la déesse, de la pluie. Ce sera évidemment un film d'amour, je pense, derrière. Mais voilà, sur le thème pays perdu, de la langue perdue, de la terre perdue et de l'amour perdu aussi. Mais, enfin voilà, c'est encore quelque chose autour de comment on peut être aussi exilé dans son propre pays. Voilà, ça c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup. C'est de rappeler qui nous avons été. Nous avons été polythéistes, que la base de ce pays, c'est un fondement amazigh avec des Andalous, des Arabes, enfin voilà, pour moi, j'ai envie de raconter tout ça. Je pense que si j'ai eu cette idée-là quand je suis allé à un très beau festival de Ende, qui est un festival de musique de Ahidous, et quand j'ai vu comment les femmes et les hommes chantaient et dansaient ensemble, voilà, c'est une film qui veut promouvoir aussi l'égalité hommes-femmes, enfin voilà, dans cet espace qui est autour de l'art. Et quand j'ai vu ça, j'étais frappé de voir avec quelle liberté on pouvait parler de beaucoup de sujets qui sont malheureusement encore tabous dans notre société marocaine. Et j'aime beaucoup, je suis aussi, j'aime aussi le côté archaïque de ce pays à partir du moment où il n'empêche pas les autres de pouvoir vivre librement. C'est ce que je souhaite à mon pays. Merci beaucoup de nous faire partager tous ces projets. Alors, juste pour finir, peut-être sur des choses un peu plus peut-être concrètes pour vos projets. Est-ce que les financements, vous arrivez à en avoir facilement? Est-ce que c'est toujours des parcours du combattant? Est-ce que avoir fait ces deux magnifiques documentaires, maintenant, vous donne un petit peu justement plus d'aisance dans les projets que vous avez? Ou est-ce que c'est encore un peu difficile? C'est toujours une guerre de faire un film, que ce soit pas seulement sur la recherche du financement. C'est évident que Timrière Jérusalem m'a beaucoup aidé. J'avais une très jolie carte de visite, donc beaucoup de gens m'ont fait confiance. La Fondation Hassan II, la Fondation Mazorel, les centrales autonomiques chérifiennes, tout ça, des particuliers. On avait lancé aussi à l'époque une campagne de crowdfunding, des gens qui me suivaient depuis le début de ma jeune carrière m'ont aidé et m'ont soutenu. Maintenant, c'est toujours une bataille de convaincre, mais je sais que voilà, il y a aussi des gens qui me suivent. La Fondation Hassan II m'avait suivi déjà sur Timrière Jérusalem, ils ne me connaissaient pas du tout, et je les en remercie vivement. Yann Delgado, enfin, Gibraltar Productions, voilà, donc c'est pas facile, c'est pas juste comme ça, et c'est beaucoup de travail, beaucoup de relations, de liens à établir, et voilà, et puis je pense d'arriver à d'être convaincu déjà soi-même qu'on est en train de faire quelque chose d'assez singulier, mais
voilà, c'est le nerf. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui permet de faire éclore aussi des projets. Et c'est pas facile. J'imagine que maintenant, c'est encore peut-être un peu plus difficile avec le contexte actuel. Très bien. Fedwa, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions pour Kamel que l'on peut partager? Il y a un commentaire que votre film est une fierté pour nous. Et il y a une autre question que je pourrais prendre, parce qu'il y en a trois autres, mais comment on va décaler un peu toute la logique du débat. Donc, Kamel a-t-il pu ramener la distance lointaine intellectuellement et religieusement entre les sociétés et faire de l'élément humain la base de la rupture, de l'inimitié, des idées qui rendent vérifiable l'idée d'accepter l'autre? Wow. C'est Hassan Balawan. Bon, l'idée, c'est, bon, si je devrais paraphraser tout ça, est-ce que vos films sont un pont de dialogue? C'est un peu la question, la première question qui a été posée. Oui, je comprends aussi. Ce qui m'intéresse à travers mes films aussi, enfin, il y a tout un travail en amont que les gens, évidemment, enfin, peuvent le ressentir, évidemment, qui est intellectuel, qui est création, qui est artistique, qui est de réflexion en termes d'intention, de comment on veut filmer tout cela. Mais en même temps, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de pouvoir que mes films puissent être accessibles à tous. C'est-à-dire qu'il y a une haute exigence artistique, intellectuelle, politique même, mais qu'en même temps, ce sont des films à taille humaine, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'intérieur, l'intériorité des personnes que je filme. Je crée vraiment un rapport complice et précieux avec de confiance avec tous mes personnages. Et à partir de là, bah, tout est possible. Finalement, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais parce que j'ai entendu intellectuel, je ne sais pas quoi, c'est pas clair. Et ensuite, est-ce que c'est l'homme qui, lui, évidemment. J'ai beaucoup lu, je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse aussi, ça m'intéresse. Voilà, donc il y a l'histoire, enfin voilà, beaucoup de choses qui sont très cérébrales et très intellectuelles, mais j'aime quand des œuvres intellectuelles puissent aussi, ou artistiques, puissent toucher aussi l'humain, quel qu'il soit. Et moi, j'ai toujours ça aussi en tête quand je fais des films, c'est-à-dire que je veux que ce soit dans Timre Jérusalem, dans Tassanitaire et nous, dans tes yeux, je vois mon pays. Même si ma grand-mère, par exemple, qui ne parle pas d'Arija, même pas d'Arija, elle peut être sensible à ce qui se passe à l'intérieur du film, aux interactions, à la musique. Parce que la musique, c'est aussi, on ne l'a pas utilisé comme un élément illustratif, mais vraiment comme un personnage à part entière du film, qui est un peu aussi notre fil conducteur. Et pour moi, ça, c'est important que l'art soit accessible à tous, tout en maintenant, en tout cas, aux exigences de réflexion. Et justement, c'est après, dans nos dialogues, comme je remercie vraiment la RMCDH de me permettre de faire cela, d'échanger à travers cet écran et ces questions, et je trouve ça formidable que l'image puisse, à partir de ce qu'on peut voir à travers une image, puisse développer après sur des choses très politiques, très poétiques, très intellectuelles, etc., etc., mais en même temps aussi très terre à terre. Merci voilà. Beaucoup, Kamel. Merci. Malheureusement, on arrive au terme de notre rencontre, encore avec, on t'a accueilli avec beaucoup de bonheur et de joie. On est ravis de projeter ton film toute la semaine. Et on souhaite tout le succès que mérite Dans tes yeux, je vois mon pays, partout dans le monde, là où il va être projeté. Je suis sûre qu'il va être très, très apprécié parce que c'est un magnifique film. Merci beaucoup, Kamel, pour ta présence. Et à très bientôt. Merci Rita pour cette belle conversation. Merci à la RMCDH, à Fedwa, à Maroub, à toute l'équipe, Sophia, Rehad, Hicham, qui était, je pense, à la technique. Voilà, merci beaucoup pour de m'avoir donné cette opportunité de partager avec vous mon dernier bébé.
Merci. Merci, au revoir. Au revoir, Kamel. Merci beaucoup. Merci.